Rabbi Salomé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé durant la semaine. Alléluia. Les regards. Les paroles qui ont été déclarées. Alléluia. Et tant que nous, on a boudé nos frères. Alléluia. Nous sommes en Christ. On a boudé nos frères. Les enfants de Christ. Des paroles, des propos vraiment déplacés qui sont sortis de nos bouches envers nos frères et soeurs. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi ce soir, avant toute chose, chacun de lui va rentrer en lui-même. Voir ce que tu as fait normalement dans la semaine. Les propos que tu as dit envers ton frère, la colère, la méchanceté, non, l'hypocrisie que tu as eu envers ton frère. Bien aimé, ce soir, tu vas rentrer en toi-même et reviser ta vie. Tu vas prendre une position et tu vas demander pardon à ton Créateur. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as dit. Les regards méchants, les paroles de grossièreté que tu as dit à l'endroit de ton frère et de ta soeur. C'est pourquoi tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon à ton Dieu.
Bien-aimé, prie ce soir. Demande-lui pardon. Pour ta négligence, demande-lui pardon. Pour ce que tu as fait dans le secret, tu n'as pas confié. Il est là, il voit tout, il sait tout. Rien n'est caché au devant de sa face. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, il faut lui demander pardon. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as blessé, ces personnes que tu as offensées, pour toutes ces personnes que tu as jugées. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue. Mais celui qui les avoue. Et les délaisse. Et qui les délaisse. Obtient miséricorde. Et obtient miséricorde, bien-aimé. Oui. Pour les frères en Christ. Mais la méchanceté est encore dans nos cœurs. C'est dans la maison de Dieu qu'on s'attaque entre nous, frères et sœurs. La haine a pris le dessus dans la maison de Dieu. Nous cachons encore des choses dans nos cœurs bien-aimés. Nous voyons nos frères et sœurs comme des adversaires, comme des ennemis. Bien-aimés, c'est pourquoi ce soir, demande-lui véritablement pardon. Oui, bien-aimé, car si tu restes dans ça, bien-aimé, sans pardonner à ton frère, sans pardonner à ta soeur, et que la trompette sonne, où il a vu, où ton âme va partir, bien-aimé. Tu as la haine envers ton frère, la haine envers ta soeur. Bien-aimé, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à accepter ton frère. Mais si tu veux, abandonner toutes ces choses. Et je vais aller en je couche contre toi, je ne demande pardon. Même dans nos différentes familles. Parce qu'on se dit, on arrivait, on est grigné auprès de soeur. Bien aimé, demande pardon à ton créateur. J'ai péché. Nous sommes créés à l'image de Dieu, bien aimé. Mais tu offenses ton frère. Tu tues ton frère. Avec tes propos. Comment dans la maison de Dieu les enfants ne se parlent pas? Comment dans la maison de Dieu on fait semblant de s'aimer? Attends, dans la réalité on ne s'aime pas, bien aimé. Demande pardon à ton créateur ce soir. Celui qui t'a créé, il te connaît. Il te connaît plus que moi-même, bien aimé. Demande-lui pardon pour les blessures. Parce que je me trouve juste. L'autre n'est pas juste. Bien-aimé, demandons pardon. Oui, l'administration a pris le dessus. Les raisonnements ont pris le dessus dans la maison de Dieu. Demande pardon à ton Dieu, à ton Créateur. Oui, ce moment, il faut te délivrer. Ce moment, il faut te délivrer. Demande pardon à ton Créateur. À ton passé, ton Seigneur, je le vois. Pourquoi il me cherche? Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Demande-lui pardon. Il connaît nos pensées. Il connaît nos caractères. Il nous connaît bien aimé. Oui, bien aimé. La colère qui prend le dessus. La haine. L'arrogance, l'hypocrisie, les mensonges. Demande pardon à son Créateur. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon pour tout ce que tu as fait dans la vie. Tout ce que tu as fait envers tes frères et sœurs, envers ta famille, bien-aimé.
En le cas de jouer, les jugements. Les critiques ne peuvent pas finir. Le demande ta Bible méditée. C'est ton frère, c'est ta soeur qui tue nuit et jour. Avec des paroles sensées. Des paroles de la haine, de la jalousie. De la jalousie dans la maison de Dieu. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Oui, demandons pardon au Créateur. Oui, on ne peut pas se débrouiller et ne pas aimer son frère. Et voyant son frère comme son ennemi, demande-lui pardon. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 14. Verset 14. Heureux ceux. Heureux ceux. Qui lavent leurs robes. Qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit. Afin d'avoir droit. À l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes. Et d'entrer par les portes. Dans la ville. Dans la ville. Amen. Amen. Élevez la robe ce soir. La grande robe. Élevez. Lui te joue la grande robe, bien-aimé. La grande robe, bien-aimé. La grande robe, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, demande le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Afin de laver ta robe. Afin de laver ta robe. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang qui crie pour ta cause. Le sang. Le sang qui crie pour ta cause. Oui. Que ce sang te lave. Le sang. Le sang qui a coulé au mont Golgotha. Que ce sang te lave. Que ce sang coule dans ta vie. Que ce sang coule dans ta vie. Que ce sang coule dans ta vie. Le sang qui coule dans ta vie. Réclame ce sang là. Bien-aimé, réclame ce sang. Réclame ce sang maintenant. Réclame ce sang maintenant. Afin d'avoir droit à la vie. Afin d'avoir droit à la vie. Bien-aimé, réclame ce sang maintenant. Invoque ce sang maintenant. Que ce sang coule dans ton âme. Que ce sang maintenant lave ta robe. Bien-aimé, le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Invoque ce sang maintenant, que ce sang te libère du péché, que ce sang te délivre du péché, invoque le sang de l'agneau, invoque ce sang. Invoque ce sang maintenant même. Bien-aimé, commence à réclamer le sang. Bien-aimé, invoque le sang. Que le sang te libère. Que le sang, selon le livre d'Apocalypse 22, verset 14. Que ce sang-là maintenant lave ta robe. Que ce sang purifie ton âme. Que ton sang purifie ton âme. Selon Thessaloniciens 5, verset 23. Bien-aimé, selon Thessaloniciens 5, verset 23. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient gardés irréprochables. Alors réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Que ce sang lave ton être. Sang lave. Que ce sang lave ton être. Ce sang lave ton âme. Que ton sang lave maintenant. Sang que ce sang lave ton être. Sang que ce sang lave ton être. Sang tout ton être entier soit lavé. La tout ton être entier soit lavé. Ton corps, ton âme et ton esprit soient lavés. Par le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. Commence à boire le sang de Jésus. En faisant les gestes. Commence à boire le sang de Jésus.
Commence à boire le sang de Jésus. 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 Boire le sang. Boire le sang de Jésus. Boire le sang. Boire le sang. Boire le sang. Bien aimé, sois sérieux. Boire le sang. Connais-toi et commence à boire le sang de Jésus. Regarde, pendant que tu bois le sang. 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 La mort sort de toi. Pendant que tu bois le sang. Le péché sort de toi. Pendant que tu bois le sang. Regarde. Pendant que tu bois le sang. Le Seigneur te libère. Pendant que tu bois le sang. Regarde. Lorsque tu bois le sang. Le sang. Commence à réclamer le sang maintenant. Lorsque tu bois le sang. Ça te libère de tout ton être. Ça te libère. Que ce sang maintenant te libère. Pendant que tu bois le sang. Regarde. Les scènes de la mort tombent maintenant. Pendant que tu bois le sang de Jésus. Regarde. Les scènes du péché. La chaîne de condamnation tombe maintenant. Commence à réclamer le sang de Jésus. Bois le sang, bois le sang de Jésus. Bien aimé, en faisant des gestes, commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Bien aimé, commence à réclamer et boire le sang de Jésus. En faisant des gestes, boire le sang de Jésus. Bien aimé, boire le sang de Jésus. Ne t'éteins pas, commence à prier et réclame le sang de Jésus dans ta vie. Réclame le sang de Jésus. Regarde, lorsque tu bois le sang te libère maintenant. Le sang te libère maintenant. Oui, le sang te libère maintenant. Le sang te libère des captifs. Le sang te libère du péché. Le sang te purifie. Bien-aimé, le sang te lave. Le sang lave tout ton être entier. Bien-aimé, commence à réclamer le sang. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus. Je ne sais pas, prie. Réclame le sang. Oui, bien aimé, bois le sang de Jésus. Réclame le sang. Bois le sang de l'agneau. Réclame le sang. Bois le sang de Jésus. Bien aimé, tu bois le sang de Jésus. Bois le sang de l'agneau. Bois le sang de Jésus. 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 Ça descend. Ça descend maintenant. Ça descend maintenant. Le sang descend. Le sang descend. Ça descend maintenant. Ça descend. Ça descend maintenant. Ça descend dans ton corps. Ça descend maintenant. Ça descend dans ton âme. Ça descend dans ton être. Le sang descend. Ça descend. Le sang descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend dans ton être. Ça descend dans ton corps. Bois le sang. Ça descend dans ton âme. Ça descend dans ton âme. Ça descend dans ton corps. Ça descend dans ton esprit. Ça descend en toi. Le sang descend en toi. Bois le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Elle veut boire le sang. Thank you.
Bien-aimés, je vais, nous allons laisser la place. Alléluia. Amen. Au groupe de louanges. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as envie. Alléluia. Amen. Tu respires. Alléluia. Amen. Mais nous allons danser à la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu sais que Jésus, dans la semaine, alléluia. Amen. Il t'a donné la force, alléluia. Amen. Il t'a donné la santé. Et tu vas te faire deux pieds, alléluia. Tu vas t'élever danser à la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. On ne force personne. Mais si tu sais que ton sauveur, ton créateur, celui qui t'a fait, t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et que dans la semaine, il a combattu en ta faveur, tu vas danser à sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, je vais laisser les chants nous donner des cantiques. Nous allons danser à la dimension de nos seigneurs Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus s'est levé plus haut. Satan est tombé. Alléluia. Amen. La chante donne-nous des cantiques. Hey. On dit victoire, puis tu es arrêté. Hey. Victoire, Jésus est sorti de quoi? Ah, et puis tu es assis. Mais c'est quel Jésus tu loues et puis tu es assis? Hey. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi et puis tu es assis encore? Hey. Il t'a donné le souffle de vie, tu es assis. Hey. On dit victoire, mais tu es assis. Hey. Alléluia. Amen. Mais si tu ne peux pas danser ici, il faut aller danser là où tu peux danser. Amen. On dit Jésus a vaincu la mort, mais tu es assis. De l'éternel, je prends ce temps. Victoire, alléluia. Thank you.
Thank you.
Jésus, tiens mon pied. Tiens. Tiens mon pied. Tiens. Tiens mon pied. Tiens. Jésus, tiens mon pied. Tiens. Tiens mon pied. Tiens. Tiens mon pied. Tiens. 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 Tiens mon pied. Tiens. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen là. C'est léger. Ça me plaît pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis amen et puis tu es assis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je vais la laisser. Est-ce que tu sais que pendant que tu es assis ici, tu es assis ici, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever. Il y a des gens qui n'ont même pas la mobilité. Qui n'arrivent même plus à dire Jésus. Amen là. Amen. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Parce que les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont et ils ne savent pas qui ils adorent. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit. Voici ce que dit. L'amen. Voici ce que moi fidèle. Voici ce que dit l'amen. L'amen. L'amen, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand tu dis amen,
tu es en train de déclarer l'ainsi soit-il, l'accomplissement de toutes choses. Donc on dit Alléluia. Tu dois dire Amen. Qui est prêt à dire Amen? Amen. Qui est prêt à dire Amen? Amen. Parce que quand tu dis Amen, quelque chose se passe au. Oui? Amen. J'ai expérimenté ça moi-même. Quand tu dis Amen là, quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu vas te déplacer avant qu'on ne commence. Parce qu'on va parler d'un thème très sérieux. Tu vas donner ton shalom à ton frère, à ta soeur. Le temps est déjà parti. Il n'est pas que lorsqu'on va commencer, tu sois distrait. Parce que ici, dans la maison de Dieu, dans la maison de deuil, nous sommes là pour pleurer. Ici, quand on a perdu quelqu'un, on ne rit pas, on pleure. Donc tu vas te déplacer. Tu vas être chaleureux envers ton frère. Shalom. Envers ta soeur. Rapidement dans l'ordre. Parce que lorsqu'on va commencer. On se shalom, on se shalom. Amen. Shalom ton frère. Shalom ta soeur. Shalom. Shalom ton frère, rapidement dans l'ordre. Tu en vas parler. Chacun regagne sa place, s'il vous plaît. On va commencer à parler. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici encore. Me voici encore. Devant ta face. Devant ta face. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La parole déclare. La parole déclare. Que heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis. Je suis admis en ta présence. Je suis admis en ta présence. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as choisi. Alors je suis heureux. Alors je suis heureux. Viens me disposer. Viens me disposer. Viens me parler. Viens me parler. Afin que je puisse. Afin que je puisse. Produire Seigneur Jésus. Produit, Seigneur Jésus. Ton fruit. Il est le fruit de l'esprit. Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Afin que le monde des ténèbres, soit fermé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre ton ciel sur ma vie. Ouvre ton ciel sur ma vie. Ouvre ta grâce sur ma vie. Ouvre ta grâce sur ma vie. Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Ce soir, nous allons parler d'un thème très sérieux, comme je l'avais dit. L'enlèvement de l'Église. Oui. L'enlèvement de l'Église. On ne va pas trop rentrer en profondeur, on va aller terre à terre. Amen. Amen. L'enlèvement de l'Église. Je vais poser une question que j'ai l'habitude de poser à l'Assemblée des Saints. Si Jésus venait aujourd'hui, maintenant, pendant le culte, qui est sûr que lui ou bien elle ira avec Jésus? Je repose ma question.
Parce que le standard de Jésus, Amen. Il est très élevé. Le standard de Jésus, il est très très élevé. Il y a eu beaucoup de chrétiens comme nous. J'ai servi le Seigneur en esprit et en vérité. Mais à cause des petits détails, il faut dire les petits détails. C'est les petits détails là. C'est ça qui va faire que tu vas rater le ciel. Je repose ma question. Si Jésus venait aujourd'hui, qui est sûr avec ton comportement, ton cœur là, qui sera enlevé? Un homme pour répondre. Oui, papa Isaïe. Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas aller avec lui? Papa Isaïe. Oui, ça te fait rire. Ça te fait rire. Qui a déjà eu la grâce de voir l'enlèvement en songe ou de vivre ça? Aujourd'hui, on parle de ça, tu ris. Sachez que tout le réveil qui est en train de se passer là, c'est justement pour ça. C'est pour l'enlèvement, pour que tu sois enlevé. Alors tu ne dois pas jouer avec ta vie. Amen. Maman Sarah, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu vas aller avec lui? Tu as déjà vu dans le songe, tu n'es pas parti. Maman Marie, et toi? Pour moi là, c'était comme... Non, tout de suite ma question, tout de suite là. Tu ne sais pas. L'apôtre pouvait dire dans Philippiens 1, verset 21 que Christ est ma vie et la mort m'était gain. Ça veut dire que si je meurs tout de suite, il rentre au ciel. Mais c'est que si je pose la question à l'assemblée, personne n'ira au ciel. Il faut dire que ce n'est pas normal. Je ne peux pas quitter dans le monde, abandonner le monde, venir à Jésus et puis subir tout ce qu'on vit actuellement et puis je vais aller en enfer. Je refuse cela. Pourquoi dis encore je refuse cela? Je refuse cela. Il y a des délivrances, c'est pas feu. Si on te délivre, tu viens te redélivre. Toujours, c'est toi qui te fâches. C'est toi qui calomnie. Faut dire je refuse cela. Je refuse cela. Pourquoi tu refuses cela? 1 Jean 2, verset 25. Pourquoi 22 à 25? Écoutez très bien, on ne va pas rentrer en détail. Si c'était un dimanche, on allait entrer en profondeur dans les Écritures. Mais il faut que tu retiennes cela. Oui? 22 à 25. Il y a 25, non? 24. 24. 24. 24. 24. Il y a 25. Jean 2, verset 25. Oui. Et la promesse. Dites la promesse. Qui nous a faite. Qui nous a faite. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Amen. La promesse que Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi tu refuses de rater Jésus. Aujourd'hui, tu as oublié. C'est pas ça. Quand Jésus s'est présenté à toi pour la première fois, tout ce que tu voulais, c'était pour aller au ciel. C'est pas ça. C'est-à-dire que tu étais prêt, tu étais prête. Mais aujourd'hui, ton objectif a changé. Aujourd'hui, là, ta priorité n'est plus le ciel. Si tel est le cas, tu es encore païen. Oui. C'est bien beau de danser. On ne peut pas se mentir. C'est bien beau de danser. Oui. Yahzir le Tout-Puissant qui fait son entrée. Acclamé, c'est bien beau. C'est bien beau de marcher avec l'apôtre Abraham. Oui. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu aies 1 an, 2 ans. S'il y a le péché en toi, il faut commencer à oublier le ciel. Moi-même qui te parle, si je ne suis pas conforme à la parole de Dieu, que je meurs, il ne faut pas dire non, il était apôtre. Non, il était gentil. Je serai en enfer. Il n'y a pas de délit, monsieur. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Amen. Amen. On va encore lire une deuxième écriture. Matthieu 24, à partir du verset 1. Parce que l'enlèvement là, Jésus n'a pas dit le jour ni l'heure, mais il a donné le temps, l'époque. L'époque qui va te permettre de savoir à quel moment cela va arriver. Oui? Donne-moi le temps. Matthieu chapitre 24, verset 1. Hein? Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, oui? Ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Hein? Continue sur verset 3. Voyez-vous cela? Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Il ne restera plusieurs faux prophètes. Au verset 2. Oui, vas-y. Mais il l'a dit. Il a dit. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Oui. Il ne restera pas ici. Oui. Pierre sur pierre. Continue. Il ne soit renversé. Continue. Au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vint en particulier lui faire cette question. Ils ont posé une question à Jésus. Dis-nous. Oui. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera quoi? Le signe de ton avènement. Le signe de ton avènement. L'avènement du Seigneur Jésus va se faire en deux étapes. Il y a l'enlèvement de l'église dedans. Quand on dit l'enlèvement de l'église, c'est toi. Hein, où Jésus vient et est en train de te préparer actuellement. Le signe de l'avènement du Seigneur. L'un des signes, il dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Aujourd'hui, toi-même, tu manifestes ce signe-là. Aujourd'hui, qui sort pour aller évangéliser? Lève ta main. Qui évangélise? Tu vois que la sainte doctrine est en train d'aller dans le monde entier, c'est pas ça? Mais toi, tu t'amuses avec ta vie. Et quand on te parle, non, c'est la chair. La chair est faible, c'est pas ça? La chair est faible, non? C'est ça, non? C'est la chair. La chair. Qui est ici, puis sa chair est faible? La chair n'est plus faible. Parce que c'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux. Galates 5. Shalom, shalom, shalom. 24. Non, c'est la chair. Non. Alors je ne veux plus aller au ciel, mais je veux me marier, Seigneur, depuis là. Dans l'acte 5, oui? Le verset 24, depuis là, ceux qui sont à Jésus-Christ, oui? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Faut dire, faut entendre. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Enfant de Dieu. Au jugement de Dieu, là. D'ailleurs, il ne faut pas aller au jugement. Sinon, tu es foutu. Parce que toi, heureusement pour toi, tu ne vas pas aller en jugement. L'Église n'est pas jugée. Amen. Oui, c'est la vérité. Tous ceux qui disent que l'Église va aller en jugement, ce sont des menteurs. Amen. L'Église ne va point en jugement. Amen. Mais le jugement de Dieu, c'est ça. La parole. C'est ça la part. Ouais. Tu dis que c'est la chair qui est faible, c'est pas ça. C'est à cause ça que tu convoites. C'est à cause ça que tu veux forcément te marier. Quand tu vois tes camarades se marier, ils sont bénis, ça te fait mal. Lis encore Galates 5, 24. Galates 5, verset 24.
ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Beaucoup de chrétiens n'ont pas allé au ciel à cause de leur bouche. Faut dire ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Pierre a dit, et David avait dit ça dans le psaume 34, que si tu veux vivre longtemps, là, réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas aller au ciel. Toi, tu penses que non, c'est à cause de la sorcellerie. C'est à cause de l'impudicité. Oui, l'impudicité est dedans. La sorcellerie est dedans. Oui. Mais ta bouche, ta bouche. Ça veut dire que si on veut commencer de la tête jusqu'au pied, peut-être que d'autres vont fuir même. Ils vont dire non, l'homme de Dieu là parle mal. Mais c'est ça où. Ceux qui sont à Christ ont déjà crucifié Dieu là. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais les choses de la chair, tu as déjà crucifié ça. C'est-à-dire que toi, tu es là. Quand on vient voir maman Sarah, elle parle mal aux gens seulement. Et puis elle dit que c'est mon caractère, c'est pas ton caractère. Non, non, non. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Qui vit en toi? Christ. Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est lui qui doit être manifeste. Oui. Parce que le jour que la trompette va sonner, quand Jésus va apparaître dans les airs là, quand il te regarde, il te voit même pas même. Il se voit, tu vois son esprit, c'est en toi. C'est ça qui va te faire décoller. Amen. Amen. Si tu penses que c'est de l'amusement, tant mieux pour toi. Si tu penses que c'est une plaisanterie, c'est un conte de fées, tant mieux pour toi. Lui. Quand Jésus est venu pour la première fois sur la terre, les gens ont dit non. Parce que de la manière où il s'est présenté à Moïse un jour de 20, la terre tremblait. C'est-à-dire qu'il y avait les tremblements, il y avait les éclairs partout. Le peuple dit non, Moïse, c'est bon, Moïse. Dieu n'a qu'à te parler, nous, hein, en restant en retrait. Ils ont vu comment Dieu se manifeste. Mais il a fait la promesse. En Deutéronome 18, on va parler. Je vais finir. Et parce que quand comme le Messie vient, les cieux vont s'ouvrir et puis il va descendre. Elle va descendre, dit voilà, c'est notre sauveur qui est là. Voilà. Là, on peut attraper sa main et puis il va nous conduire. Non. Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, il ne fonctionne pas dans le matu vu. Non. Jésus, Esaïe, c'est qu'on prend du quoi? Il s'est élevé comme une fête plante. Regarde, lui qui est le roi devant lui qui est le créateur. Il est venu comme un simple menuisier, charpentier. Ils l'ont même pas reconnu, il m'a dit, toi, tu n'es pas de papa. De la manière dont tu ne te reconnais pas aujourd'hui, on dit, mais aïe, la petite fille là, elle porte voile des mamans. Tu ne portes plus collant, mais ça t'est marié comment même. On ne te reconnaît plus. C'est comme ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Tu es jeune comme ça, toi tu portes. Robe, on dirait, c'est à prendre pour t'envoler. On ne te reconnaît plus. Mais quand Jésus est mort, il était sur la croix, l'un des soldats romains a dit, quand il a vu les signes, le temps est devenu sombre, la terre a tremblé, il a dit certainement cet homme était le fils de Dieu. Amen. C'est comme ça, quand toi aussi tu vas partir, mon choix c'est que tout le monde parte. Amen. Tu n'es pas en Christ pour aller en enfer. Il faut qu'il te rappelle cela. Tu as un peu oublié. Comme deux jours là, on est dans la joie, mariage, distraction, tu as oublié. Tu as le temps de prier pour ça même. Seigneur, montre-moi l'état de mon âme. Seigneur, mais Seigneur, depuis là, aie pour moi. Je dois travailler, Seigneur, je souffre. Je dois soutenir ton œuvre. Bénis-moi. Oublie ça. C'est bien, oui. C'est très bien. Mais la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Parce qu'il a montré à l'apôtre Jean, l'Apocalypse chapitre 20, le jugement dernier. Comme Paul lit. Je crois à partir du verset 12. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas sentiment. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas émotion, on n'est pas amis. D'ailleurs, là-bas, on peut rire. Mais une fois qu'il s'agit de ton âme, on n'est pas amis. Chapitre 20, verset 12. À partir de verset 10. Et je vis les morts, les grands et les petits. Écoute très bien comment ça se passe le jugement de nuit. Et je vis les morts, hein? Les grands et les petits. Les grands et les petits. C'est-à-dire qu'un enfant innocent comme ça, devant Jésus, Jésus a amour, non? C'est ça, non? Un enfant comme ça devant Jésus, lui, qui se tenait devant le trône. Devant le trône. Des livres furent ouverts. Voilà. Il faut prendre Hébreux 12, verset 1. Attends, ça arrive ce livre-là. Il faut dire, qu'est-ce que je fais dans le secret? Dis, qu'est-ce que je fais dans le secret? Qu'est-ce que je fais dans le secret? Il faut dire encore, faut dire. Qu'est-ce que je fais dans le secret? Faut dire le secret. Le secret. Hébreux 12, verset 1. Hein? Nous donc aussi. Oui. Puisque nous sommes environnés. Nous sommes environnés. D'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous environne. Donc, si facilement. Amen. Pendant qu'on est là, tout est enregistré où? Tu n'as pas fait, puis tu allais te répéter. Seigneur, pardonne-moi. Il n'est plus fait. Cinq minutes plus tard, tu es dedans. Dans le secret où personne ne te voit. Alors lui, lis Apocalypse là. Et je vis les morts. Les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ces témoins-là, c'est eux qui ont filmé. Et puis ils ont mis ça dans le livre. Des livres furent ouverts. Hein? Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Arrange-toi. Attends d'abord. Ou travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Parce que non, tu es dans le livre de vie, là, on est face au. Elle sait qu'on est face même. Hein? Qui sait qu'on est face, non, dans le livre de vie, là? Même. On est face, hein? Donc, il ne faut pas penser que non, je dois à l'église, mon nom est inscrit. On est face. Quand on quitte ici, chaque jour, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Tu peux mourir le soir. La trompette peut sonner le soir. Mais je sais que. Parce que moi, j'ai vécu ça. Moi, je peux te dire en même temps. C'est un jour où tu ne sais même pas qu'il va venir même. Oui. Tu ne vas même pas. C'est vrai que. Demain, tu passes à lever le matin. On dit qu'un mardi, non. À se lever le matin, la vie suit son cours. C'est pas ça. Et puis Jésus vient. Il a dit comme un voleur. Attends, parmi vous là, il t'en a volé la nuit. Quand tu dors, voleur vient chez toi et puis il vole, il t'en a fait ça. C'est-à-dire que souvent, tellement ça te fait mal, tu veux reprendre la scène pour l'attraper. C'est pas ça? C'est comme ça, il dit qu'il va venir comme un voleur. Dans la nuit. Actuellement, le temps spirituel, c'est la nuit, le temps prophétique. Il fait nuit. Jésus arrive comme un voleur. Tu as accepté de marcher selon Jésus. Ce n'est pas pour aller en enfer. Continue Apocalypse là. Des livres furent ouverts. Il y a des livres qui sont ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Le livre de vie. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Selon leurs œuvres. Selon quoi? Selon leurs œuvres. Non. Parce que l'évangile m'a parlé mal. Et puis pour lui, c'est justifié. Là, moi aussi, je parle mal. Allez, selon leurs œuvres. Chacun a son œuvre. Oui. Comme on dit, maman, Sarah dit non. Vous là, arrêtez ça. Tout le c'est elle. Donc demain aussi, quand il voit l'autre. Vous là, même chose là. Chacun fut jugé selon leurs œuvres. Quels sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres?
Maintenant, quand les adultes, ils ont fait quoi? D'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qu'il y a, on enregistre tout ce que tu fais. Non, il n'y a plus de télé. Non, mais tu ton téléphone. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Continue. La mère rendit des morts qui étaient en elle. Oui. La mort et le séjour des morts. Actuellement, c'est même qu'ils ont en enfer là. Ils vont ressusciter même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore en enfer même. Oui. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Mm-hmm. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il faut comprendre que œuvre là, c'est péché, c'est le péché. Mm-hmm. Quiconque ne fut pas trouvé, mm-hmm, écrit dans le livre de vie, oui, fut jeté dans le temps de feu. Amen. Amen. Les petits, les grands, les esclaves, les libres, les riches, les pauvres, les célibataires et les mariés. Une fois que tu arrives là-bas, c'est-à-dire que quand tu es perdu, une fois que tu meurs là, ton âme même sait que tu es foutu. Y a ta conscience parle comme ça. Tous tes péchés là, c'est devant toi, audiblement. C'est là que tu vas comprendre que si elle savait, il n'avait pas menti beaucoup. Et Dieu, tu commences à mentir, tu n'as plus peur de mentir même. D'autres n'ont même plus peur de garder des choses impures. Les comportements d'orgueil. Faut dire l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil là. Ça a commencé au ciel chez les esprits. C'est quelque chose qui est spirituel. Attention, faut dire attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Parce que les enfants de Dieu, maintenant, quand on fait des reproches, se fâchent. Non, on m'aime pas. Si Jésus te fait des reproches, tu as tout gagné. Parce qu'il châtie celui qu'il aime. Qui croit que Jésus l'aime? C'est une grande grâce. Une très grande grâce d'être encore là et puis la trompette n'a pas encore sonné. Parce que si la trompette avait sonné, c'était pas bon. Tu as oublié même que non, pour toi, il fait l'œuvre de Dieu. Si ton but, ton objectif, n'est pas d'aller au ciel, n'est pas d'être enlevé chaque jour, tu es encore païen. Il y a des parents qui sont scellés pour l'œuvre de Dieu. Et puis eux, ils négligent leurs enfants. Si la campagne t'a trouvé dans ça là, c'est-à-dire que toi tu as parti, et puis ta fille reste, ton fils reste. Une autre chose, il y a beaucoup de choses, hein. Surtout dans l'église. Les faux palabres. Galates 5, 19 là. C'est ça que tu maîtrises ça. C'est ça non? Quand les désirs de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, l'idolâtrie, la désolation, la magie. Tu connais ça par cœur. Tu fais délivrance avec ça. Chasser démons là. Chasser démons là. Faut dire que c'est normal. Normal. Oui. C'est que tu ne sais pas, c'est que tu peux être dans un faux péché, puis tu as chassé le démon. Tu as prié pour les malades. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, feu, descends sur eux, il va descendre sur le peuple. Mais, il faut dire mais. Il y a toujours un mais. Jésus, il a donné sa vie. Il revient au... Il revient. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça dans ta tête. Quand tu cherchais avec Seigneur, je veux aller au ciel. Au début, quand tu es venu ici la première fois, tu as dit quoi? Je veux aller au ciel. Tu sais, pendant que tu as dit, tu sais que toi, tu sais que là,
tu as oublié ton premier amour. Avant qu'on vienne à Jésus, il ne peut pas être en retard même. Si maintenant dit que toi tu dois aller prendre 10 millions, même passer un concours, même s'il pleut, ça arrive à l'heure, c'est pas ça? Amen. C'est ça non? Propre. Bon, mais cul du sommeil, c'est en retard. Cul du sommeil, le dimanche même, t'entraînes pas. Et puis tu veux que la trompette sonne, tu as parti. Quand on lit Proverbe, Jésus nous parle des fourmis. Il y a c'est infiniment petit. On ne rentre même pas en profondeur, mais là, dans le détail. Il est dans le détail. Il faut dire le détail. Ce que l'homme ne considère pas là, c'est ce que lui considère. Non, ça là, est-ce que Dieu va faire ça? Il y a allé en affaire de ça là. Quand il dit repentez-vous, non. C'est toujours lui qui va te vomir ta sémence. Toi, moi, tu as la grâce. Il y a des gens qui te font vomir sémence. Ils prient pour toi. Tu te fâches. Non, toujours ils vont m'égorger. Ils vont t'égorger. L'apôtre l'a dit. Travaillez à votre salut avec crainte et trembleur. Il dit avec crainte et tremblement. En tant qu'enfant de Dieu, si je suis passé par la délivrance une fois, peut-être, bon, pour d'autres, c'est un coup. D'autres, c'est un coup. Mais quand ça finit là, tu n'as jamais vu l'apôtre Paul. Où Jésus s'est présenté à lui là. Hein? Il est retombé dans son vomi en fait. Ça peut arriver, tu peux tomber. Mais à un moment donné de la marche là, l'apôtre quand il parle, il dit, il a parlé des révélations surnaturelles. J'ai vu le dire qu'il parle de trois. Il n'est plus dans les affaires de. Il a vomi ses mains. Il a guéri. Les petites choses, il n'est plus dedans. Parce que la vie chrétienne, elle disait c'est quoi qu'il y a l'enlèvement même. Elle disait c'est quoi? L'apôtre dit, il faut que ce corps mortel revête l'immortel. Même Dieu, Jésus, il a goûté à la mort. Mais toi, tu n'as pas mouru. Elle disait c'est quoi même? Il dit ce corps périssable, ce corps corruptible, il faut que ça revête l'incorruptibilité. Et puis toi, on te parle, tu te fâches. Tu es dans la convoitise. Tu as quel problème? C'est toi toujours, tu es dans l'orgueil. Tu cherches trop l'argent. Moi, à ce moment, il n'y a pas le temps. C'est pas ça. Tu fais un mois, je suis un livre. Il n'y a pas le temps. Est-ce que tu vois qu'elle enlève moi-même? Quand tu vois les hommes de Dieu voyagent, ah, tu es sur ton téléphone comme ça. Ouais. Non, maman Christiane. Puissante servante de Dieu, l'apôtre. On t'appelle. Merci, silence. Il est rempli comme ça, il voyage. Mais tu penses que c'est en vain? Quand il voyage, si on parlait de Jésus, de la scène, il faut avoir peur. Ouais, pendant qu'on s'en va comme ça, là, c'est-à-dire que. C'est l'évangile qui est en train de se propager sur la terre. Alléluia. Et puis toi, tu t'amuses. Non. Bon, tiens. Je dis, par exemple, tu as les mêmes choses en faire. Il faut que tu prennes conscience. Plusieurs fois, Jésus t'a parlé, mais ce qu'il veut, c'est toi-ci, là. C'est ton cœur. Tu sais, Jésus t'en a dit, il dit ma fille, c'est ma servante. Il t'a dit comment il va travailler avec toi, tu sais, c'est pas ça. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, c'est ton problème. Mais il ne faut pas dire que non, comme moi, je mène en vieillesse, oui, on appelle ça mettre dans vieillesse. Tu mets tout dans paresse. L'œuvre de Dieu avec négligence. Deux gens sont là, mais ils sont exprès pour fatiguer leurs frères. Il sait qu'elle n'aime pas ça. Si elle fait ça, elle va parler. Mais c'est ce que tu viens faire. Ton cœur.
Il y a quoi dans ton cœur? Faut dire, il y a quoi dans mon cœur? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Matthieu 5, verset 8 déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront. Est-ce que ton cœur est pur? Raison pour laquelle David pouvait dire: crains à moi un cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? La pureté du cœur. Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu est semblable à ceux qui l'ont récent. Donc ton cœur n'a rien à toi. Il y a quoi dans ton cœur? Ouais, c'est dangereux. Quand tu es là, tu vois les signes. Oh, non. Oh. Tu connais les écritures, non. Ça, là, ton père ne va pas soigner, mais tu n'en vas pas. Il y a encore tout, il y a le temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour, tu vois un peu, non. Mais il faut dire le mariage. Ah, moi, c'est ça qui fatigue les gens. C'est ça. Où est mon mari? C'est pas ça. Tu ris. Oui, mon mari, c'est pas ça. C'est ça. Laissez la chose de la tête d'abord. Le mariage est bien. Les bénédictions sont bien. Colossiens 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 1. Le temps. Laissez-le. 20 à 18. Colossiens 3, premier. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut. Il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Des choses d'en haut. Les choses d'en haut, là, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Les choses d'en haut. C'est les petites choses. C'est que pour l'homme, là, c'est minime, on ne considère pas ça. Mais dans le monde spirituel, exemple, la sainteté, l'humilité, la charité, la vertu, la tempérance, l'amour, l'évangélisation, la vie des jeunes, la maîtrise de soi, la foi, la douceur, c'est un jeu d'en haut. Oui. Cherchez la chose d'en haut. Si donc. Oui. Vous êtes ressuscité avec Christ. Qui est ressuscité avec Christ ici? Cherchez la chose d'en haut. Qui est ressuscité avec Christ? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attends. Ici là, tout le monde est ressuscité avec Christ. Il faut lever ta main. Tu ne sais même pas qui tu es même. Là, comment ça m'énerve? Tu es ressuscité avec Christ. Maintenant, tu es ressuscité avec Christ. Pendant que toi, tu t'amuses, il y a un groupe de personnes qui ne jouent même pas même. Elles en ont perdu. Elles en disent promis qu'ils vont aller avec toi. Maintenant, ils font la chose, toi qui aimes ça. Et puis après, tu viens dire non, Jésus, pardonne-moi, tu ne savais pas, tu n'es plus fait. Et puis demain, c'est comme si tu es marié. Tu es marié, non? Hein? Tu as ton mari. Et puis tu es dans le tromper, le voisin. Ton mari est là, il ne parle pas. Il te pardonne. Demain encore, tu vas le tromper avec le voisin. Et puis tu viens, pardonne-moi. Si c'est toi, si tu as des personnes, ça a des plaies. Tu fais ça à Jésus. Et puis tu dis, Seigneur, là-haut, mon nom est écrit. On efface les noms. Tu ris. Pendant que tu as des rires, les gens qui sont mourus, c'est moi en enfer. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affectionnez-vous. Oui. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. C'est que, on n'a même pas besoin d'expliquer ça, mais. Continue. Car vous êtes mort. Il dit quoi? Car vous êtes mort. Car vous êtes mort.
lui. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris, même? Amen. Faut dire encore, faut dire. Amen. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra alors. Il parle de l'enlèvement. Hein. Alors, vous c'est paraîtrez beaucoup, aussi. C'est beaucoup comme ça dans la parole là, comme ça. C'est beaucoup comme ça, il parle de ça seulement. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ça, il y a l'enlèvement. On n'a même pas, c'est là, on n'a pas le temps pour parler de ça. Au commencement là, au commencement, virgule, il y a l'enlèvement dedans. Vous êtes, c'est-à-dire que, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Est-ce que tu comprends même? C'est quand Jésus parle, est-ce que tu comprends? Si j'avais ma soeur pour expliquer écriture après écriture, là, peut-être qu'on dormit ici. Continue ton écriture. Verset 4. Hein? Quand Christ, votre vie, ta vie, paraîtra là. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans quoi? Dans la gloire. Dans la gloire. Faut dire dans la gloire. Dans la gloire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Quoi que vous fassiez, au début on a dit ma bouche non. Mm-hmm. T'as dit ta bouche non. Hein? En parole ou en œuvre. En parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ là. C'est-à-dire que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. D'autres pensent que le péché là, non, c'est convoitise, c'est ça même, c'est convoitise, c'est impudicité. Mais le péché veut dire que tu as oublié là, tu négliges même. Ça là, ça te condamne. Ça va te condamner. Oui. Après, il y a Pierre, l'apôtre Pierre, il dit Jésus, moi, je viens mourir toi. Jésus le regarde, il dit toi, tu vas mourir moi. C'est sûr. Il dit oui. Jésus dit d'accord. Le coq ne va même pas chanter devant toi, t'as mis une. Il dit moi, il vient mourir pour toi. Au moment où ça chauffait sur Jésus, vous avez vu son ami Pierre. Pierre a commencé à refléter Jésus. Il dit toi, ton langage, toi tu es galilien, ton langage a fait quand tu es reconnu. Il dit moi, il est juste ce qu'il cherche, c'est pas moi. C'est-à-dire que quand Pierre est là, son apparence même là, il commençait à ressembler comme toi, tu es dépouillé, sainte doctrine. Il dit non, moi, mon Pierre. Le gars dit qu'il a commencé à faire des imprécations, à jurer, qu'il ne connaît pas Jésus. Pierrot. On dit, quand il crie de guerre, il crie Jésus. Pourquoi parler vite? Jésus l'en prouve, on le démontre. On le démontre dans les faits. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui parle, et puis il finit de parler, puis il tombe dans la colère, mais orgueil. Pierre a manifesté ça, il a fui Jésus. Il dit moi. Et puis c'est femme, il faut dire femme. Femme. C'est femme, il a attrapé femme. Femme, il est là. Allez, lui là, il le connaît. C'est fort. J'ai essayé d'expliquer tout ça en bas. Femme, il faut dire femme. Femme. Le problème de l'humanité. Femme dit Pierre, lui là, je le connais. C'est lui, il dit moi. Il ne connaît pas Jésus. Il y a quelqu'un qui dit que toi là, c'est pas toi qui as pris les pieds pour couper l'oreille de mon cousin là. Il dit moi. C'est pas moi. Pierre, il dit lui, il connaît pas. Nous, on n'est pas fort que Pierre. On n'est pas fort que Pierre. Mais juste pour dire que Jésus. De la manière, il n'a pas reculé. Oui. Parce que même étant Dieu, dans la chair, là, la chair a ses principes. La chair ne supporte pas la douleur. Il n'a pas reculé. Toi aussi, non, mon papa est pasteur. Non, c'est ma maman qui prophétise. Alors, mon papa, il faut qu'il vienne, j'arrête, il déclare là. C'est, tu penses, il faut mourir, tu vois. En fait, là, débattement des enfants des pasteurs. Non, ma maman, là, c'est maman Sarah. Quand elle vient comme ça, ma fille, c'est mon Seigneur, salut d'abord. Meurs dans ça, dans ton péché, tu vas voir.
Non, moi, mon frère, mon petit frère, mon grand frère. Moi, c'est ma soeur. C'est qui t'es dedans là? Continue dans ça. Mais le jour. Il y a les mamans ici, mais les papas ici à la maison. Vous fatiguez les enfants de Dieu. Ton enfant que tu as mis au monde là, c'est pas ton enfant. Tu es un père adoptif. Une mère adoptive, c'est l'enfant de Jésus. Un bon. La parole, ta bouche. Satan sait que quand il prononce une parole, il fait une bêtise. Regarde-moi, tu es bête. Tu es vilain, toujours. Tu insultes l'enfant. Et puis demain, tu es étonné que l'enfant devienne un voleur. Ça va, c'est toi. C'est moi. Je serai disposé. En temps normal, quand ça arrive, vous savez ce qu'on fait? On met l'homme de Dieu dehors. Vous voyez? On met l'homme de Dieu dehors. Nous, on chasse les gens. En temps normal, même avant de commencer, on devait vérifier les vêtements de chacun. Quand tu n'es pas conforme, dehors. Il n'y a pas sentiment. C'est le Saint-Esprit qui fonctionne. On rit pas. Si je veux être mon ami, mon meilleur ami. Quand ça commence, on ne se connaît plus. Parce que Jésus va me demander des comptes par rapport à ton âme. Il a dit quoi? Mais on était amis, il ne voulait pas lui parler mal. Il y a des gens ici qui vont rater le ciel à cause de leurs paroles sur leurs enfants. Oui. Tu as déjà parlé mal à son enfant, insulté. Il faut commencer à faire des parties. Tu tapes l'enfant là comme ça, enfant de Jésus. Il y a des femmes là, Anne, elle n'a pas enfant, elle pleure. Toi tu es enfant, tu as beaucoup comme ça. Il fait une bêtise, mais il fait une bêtise et puis tu te fâches. Tu l'insultes comme ça. Que tu sois ici ou ailleurs, si tu es dans ça, réponds-toi en même temps. Parce qu'il y a un principe spirituel. La parole là ne revient pas à toi sans être accomplie. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Satan ne veut pas t'attaquer, ne veut pas t'atteindre, il va attaquer ton enfant. Lui, il sait que derrière son but, si la trompette sonne, il faut rester. C'est pas ça. Faut dire la trompette. La trompette. Continue l'écriture. Oui. Colossiens. Continue. Verset 17. Hein? En quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. En parole ou en œuvre. En parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas le péché. Mais c'est la sainteté. C'est la purée. C'est l'humilité. C'est l'obéir. Amen. Continue. Femme, soyez soumise à vos maris, comme il convient, hein? Dans le Seigneur. Oui, oui. Marie, hein? Aimez vos femmes. Oui. Et ne vous agrissez pas contre elles. Hein? Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Tu as entendu, non? Ces choses-là peuvent constituer un piège. Tu as l'habitude de lire. Tu vois que non. C'est un petit truc, on parle de ça. Mais à cause de ça, là. Les gens ont servi Jésus jusqu'à... Et puis à la dernière minute, son père dit, viens t'envoyer. Oh mais il s'en va, mais il murmure. Alors toujours, c'est moi. Et puis il est mort dans ça. À cause d'une petite chose là, il a raté son âme. Lui, il a perdu son sang. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 1 à 8.
Tu as oublié que tu es venu pour être sauvé, pour être enlevé. Mais tu es, maintenant, ton objectif n'est plus le ciel. C'est de plaire aux hommes. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire? Oui. Et plaire à Dieu. Et plaire à qui? Plaire à Dieu. Faut dire, je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Dieu l'a voulu plaire là, en l'obéit. Parce que l'obéissance au métier est sacrée. Vous plaît, hein? Continue. Et que c'est là, ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. De marcher à cet égard. De marcher à cet égard. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Est-ce qu'il a dit faut reculer en reculant? Il dit de progrès en progrès. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit quand tu viens plus, on a fini ta délivrance. Tu dois progresser. Tu ne dois pas rétrograder. Même si toi, on te délivre pas, mais tu es ta bouche. Il a dit, Samuel, là même, là, il a son boubou, il a porté là. Il passe à la mosquée. La maman a tout ça qui vit. Toujours. Tu fais ça, tu sais que tu fais ça. Ça te fatigue, faut dire ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Dieu a dit à Moïse, Aaron va te servir de bouche. C'est profond. Mais on continue. Vous savez, en effet, quelle pression nous vous avons donnée. Quelle part du Seigneur Jésus. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Arrête-toi là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ce que Dieu veut là. Il dit que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui va aller au ciel, non, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. Et puis il va donner une explication là. C'est que vous vous absteniez de l'impunicité. Arrête-toi là. Tu as compris que à chaque instant, il y a un mot qui revient toujours. Il faut dire l'impudicité. L'impudicité. Tiens. L'impudicité. L'impudicité, c'est contraire à la sanctification. Il y a des gens qui sont impudiques, même ils ne savent même pas qu'ils sont encore impudiques. Il y a des gens, leur péché là, c'est caché, c'est après là. Ça a sorti, et puis on voit ça. C'est que quoi? C'est que chacun de vous, sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la quoi? Dans la sainteté. Et puis dans quoi? Et l'honnêteté. Ton corps dans la sainteté, et puis dans l'honnêteté. Quand on parle de ta façon de ta vie, non. Faut payer la vie pour moi. Tu dois être non seulement sain de corps, mais aussi honnête. Non seulement toi, mais encore ton petit enfant. Ta petite fille. Parce que si tu t'amuses avec ça, que la trompette sonne dans ça, il faut dire que c'est dangereux pour mon âme. Continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Tu as vu qu'il y a un mot qui est revenu encore, non? Il y a convoitise et puis elles sont passionnées. C'est-à-dire que toi-même, c'est ton travail même. Tu nourris ça même. Il dit qu'on va aller terre à terre. On ne rentre pas dans les choses terre à terre. Sans vous livrer à quoi? Une convoitise passionnée. Une convoitise passionnée. Ouais. Avance. Oui. Comme font les païens
qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que ça là, les gens qui ne connaissent même pas qui est Jésus, c'est leur travail. Quand toi-même tu connais Jésus, quand tu fais ça. Oh! C'est que, ne dors pas au pardon. Quand tu dors, réveille-toi. Parce qu'il ne faut pas te mettre dehors, puis tu as dit que non, on t'a chassé. C'est que. Oui. Personne n'use envers son frère. Hein? De fraude. Oui. Et de cupidité. De quoi? De cupidité. Non, d'abord de quoi? De fraude. Hein? Et de cupidité. D'accord, continue. Dans les affaires. Dans les affaires. Parce que le Seigneur. Parce que les chrétiens, quand tu travailles avec les chrétiens, parce qu'on est frère en Christ, ils ne te payent pas. Oui. Voilà, c'est ça. Et tu n'aimes. Ici, quand tu es ici, là, tu as pris le crédit, non? Tu dois les gens. Tu les exploites. C'est toi qui fais les marmailles codées. La fraude. Toi, tu sais calculer que les autres. C'est pas ça? Quand on quitte ici, tu arrêtes ça. On vient lui demander l'argent, elle dit, ah, il y a quoi? Toujours, oui. Mm-hmm. Et c'est qu'elle te doit, mais pas dit qu'elle ne te paye pas. Mm-hmm. C'est ça, non? Il se reconnaît, il faut lever la main. J'ai honte. Quand on quitte ici, tu rêves ça. À chaque fois qu'une prédication sort, c'est pour te corriger, pour te perfectionner. Quand on touche quelque chose, quand on quitte ici, tu travailles ça. Ça quitte dans ta vie. Tu as compris? Continue. Parce que le Seigneur. Le Seigneur. Dit vengeance de toutes ces choses. Qui est-il vengeance? Le Seigneur. Là, j'ai entendu les démons. Eux-mêmes ne comptent pas. Jésus lui-même. Dit vengeance. Si tu es tombé entre les mains du Dieu vivant, là, tu es foutu. Donc, si tu es intelligent. Tu es intelligente là. Commence à réparer ça. Continue. Comme nous vous l'avons déjà dit hein? Et attesté. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. La sanctification là, c'est profond et puis c'est la base même. Quand on te parle de sanctifier, ça te fait mal. Si ça te fait mal, c'est que tu as un problème. Parce qu'au ciel, là-bas, là, c'est saint. C'est un endroit qui est saint. Là-bas, là, il n'y a pas les missos. Non, là-bas, là, on ne se fâche pas, pas colère. Là-bas, là, il n'y a pas orgueil. Il n'y a pas impudicité là-bas. Ceux qui ont été rebelles, là, quand ça a commencé, là, on les a chassés en même temps. Dieu n'a pas changé, c'est le même principe. Il ne t'a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. La doctrine de la sanctification. Ça, on va revenir dessus. C'est la base. Si tu veux être enlevé, tu dois te sanctifier. Tu as commencé à oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut te rappeler tout le temps. Hein? Allons? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, hein? Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Quand tu fais un reproche, hein, tu m'as parlé mal. Et puis, voyez le Seigneur en maison pendant 3 mois. C'est pas là, ça, c'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Alors, quand tu es sanctifié, tu acceptes les reproches. Allons au verset 14. Même 4, 5, 4. Là. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramena par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oui. Verset 15. Oui. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Hein? Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Arrête-toi.
Tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'il a dit là, c'est pour un seul but. Pourquoi? Restez pour l'avènement. L'avènement du Seigneur. Du Seigneur. C'est tout. C'est pour ça qu'on est là. L'avènement du Seigneur. Continue. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Hein? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la croix, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà la base. Un enfant de Dieu, il est là. Il travaille sur lui-même pour être enlevé. Si tu as oublié que tu dois être enlevé, commence à te répandre. Commence à travailler sur toi-même. Parce que Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas pour que toi tu perdes ton âme. Faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremble. Amen. Tu vas te tenir debout. On va faire cette prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, je n'écris pas parce que je ne sens pas bien. Toi, faut prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas te rater. Je ne veux pas te rater. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que je commence. Que je commence. À abandonner. À abandonner. Mon premier amour. Mon premier amour. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que je commence. Que je commence. À oublier. À oublier. Que tu es déjà là. Que tu es déjà là. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que je commence. Que je commence. À aimer. À aimer. Le monde. Seigneur Jésus. Tu as dit. Je ne point aimer le monde. Tu as dit. Je ne point aimer le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Parce que Seigneur, elles passeront. Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es déjà là. Que tu es en train d'arriver. Mais je suis négligent. Je suis négligent. À cause de mon problème, à cause de mon souci, à cause des soucis, à cause de l'inquiétude, je reconnais Seigneur, je commence à oublier. C'est pourquoi tu es mort, c'est pourquoi tu es ressuscité, mon âme, je commence à oublier, ton salut, toi tu m'as accordé, je commence à fouler aux pieds, ta grâce, Seigneur Jésus, aie compassion de moi, Seigneur Jésus, charge l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que mon cœur commence à être convoiteur. Mon cœur est retourné dans la convoitise. Mon cœur est retourné dans l'idolâtrie. Mon cœur est retourné dans l'impudicité. Mon cœur est retourné dans le monde, mon cœur est retourné dans la pureté, à la dissolution. Tu as dit Seigneur, que celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, ne pas
propre. Et ta propre. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme la femme de Lot. Comme la femme de Lot. Je regarde en arrière. Je regarde en arrière. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je suis encore en arrière. Je suis encore en arrière. Dans mon cœur. Dans mon cœur. En ta parole déclare. En ta parole déclare. Celui qui est en toi. Et celui qui est en toi. Va marcher. Va marcher. Le progrès. Le progrès. Un progrès. Un progrès. Seigneur Jésus, raison pour laquelle je suis encore malade, je suis encore malade, parce que ta parole déclare, parce que ta parole déclare, que la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est la santé pour mes muscles, la santé pour mes muscles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai encore abandonné, mon premier amour, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne veux pas perdre mon âme, je ne veux pas perdre mon âme, je ne veux pas rater l'avènement. Du Seigneur, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens enlever en moi, livrer encore de moi-même, j'ai arrosé de moi-même, j'ai ensemencé, Seigneur Jésus, j'ai gâté tout ton travail dans ma vie par mon propre péché, parce que Seigneur. Je me crois. Sache à mes yeux. Oh, tu as dit. Ne vous croyez pas. Sache à vos yeux. Seigneur, tu as dit. On doit s'abandonner. Entre tes mains. Que le vêtement. Que la nourriture. Ne sont rien. Ce qui est quelque chose. C'est la foi en toi. Ce qui est quelque chose. C'est la sainteté. Ce qui est quelque chose. C'est la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose. C'est l'amour. Seigneur Jésus. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Dieu. Parce que Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas mis en pratique. Le plus petit. De tes commandements. Je n'ai pas mis en pratique. Le plus petit. De tes commandements. Oh, tu as dit. Que celui qui est juste. Pratique encore la justice. Que celui qui est saint. Se sanctifie encore. Seigneur Jésus, pour arriver à faire ces choses, c'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi. Je reconnais par là que je ne t'ai pas aimé. Je reconnais par là que je ne t'ai pas aimé. Seigneur Jésus, si tu venais aujourd'hui, malheureusement, papa, je ne suis pas prêt. Oh, ta parole déclare que celle qui était prête entrait dans la salle de noces. Seigneur Jésus, je veux entrer avec toi. Je veux entrer avec toi. Je veux entrer avec toi. Enlève-moi, Seigneur, la distraction. Enlève-moi l'impudicité. Enlève-moi de la convoitise. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Enlève-moi la malignité. Enlève-moi la duplicité. Parce que Seigneur, je sais me cacher des hommes de Dieu. Je sais me cacher des servants de Dieu. Et Seigneur, quand tu me vois, tu as mal en toi-même. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. 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 Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu dans ton ministère nous accorder la résurrection et la vie. Mais Seigneur Jésus, j'ai foulé au pied ton sang, Seigneur. Tu as donné ton sang. Tu as donné ton sang. Parce que tu veux que je sois sauvé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que tu me perdes. Tu ne veux pas me perdre. Tu as dit que Seigneur, que celui que le Père t'a donné, personne ne le ravira de tes mains. Oh Seigneur, ma vie de duplicité, ma vie de péché fera que je serai ravi de tes mains. Seigneur Jésus, tu as dit que si on annonce au méchant, tu mourras. Que le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Il se détourne de son impudicité. Il se détourne de son vol. Seigneur,
Il sauvera son âme. Il sauvera son âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le but. Le but. Le premier but. Le dernier but. C'est mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme. Oh lui Seigneur. Oh lui Seigneur. Je fais ton œuvre. Je fais ton œuvre. Je suis encore dans le péché. Je suis encore dans le péché. Oui, je fais ton œuvre. Je fais ton œuvre. Je suis encore dans la convoitise. Aucune convoitise. Aucune convoitise. Aucune duplicité. J'hériterai le royaume des cieux. Alors Père éternel, fais-moi ta grâce. Fais-moi ta grâce. Fais-moi ta grâce. Abaisse tes cieux. Et descends, papa. Abaisse tes cieux. Et descends, papa. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille. Écoute, Seigneur. Je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. À cause de moi, beaucoup sont retenus dans leur vomi. À cause de moi, beaucoup sont retenus dans le péché. Seigneur Jésus, j'ai saboté ton œuvre. Seigneur Jésus, j'ai saboté ton œuvre. J'ai saboté ton œuvre. Je suis un mauvais garçon. Je suis un mauvais héritier. Je ne suis pas digne d'être ton héritier. Je ne suis pas digne d'être ton héritier. À cause d'une chose éphémère. À cause d'une chose passagère, j'ai mis en péril mon âme, j'ai mis en péril mon salut. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu t'asseignes une minute, s'il te plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je suis venu, quand j'ai porté le regard sur vous, j'ai senti au travers de certaines personnes de l'inquiétude. J'ai senti des soucis. Je sens de la peur. Je sens de l'inquiétude. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous êtes inquiet. Je ne sais pas pourquoi vous êtes anxieux. Quelqu'un ici inquiet, qui lève la main. Quelqu'un ici inquiet, qui lève la main. Alléluia. Je regarde. Elie, je regarde. Quelqu'un ici inquiet, lève bien la main. Alléluia. Amen. Pardon, qu'est-ce qui vous inquiète? Oui. Daniel. C'est Daniel, non? C'est Daniel? C'est Joël de Danani, c'est ça, non? D'accord. Joël, lève-toi. Qu'est-ce qui t'inquiète? Dès que je suis arrivé, c'est ce que le Seigneur m'a dit, regarde, ma bergerie inquiète. Elle est anxieuse. Qu'est-ce qui t'inquiète? Alléluia. Amen. Un saut rapidement. Le Seigneur est en train de la libérer de l'inquiétude et de l'anxiété. Amen, laisse-le rapidement, le Saint-Esprit est en train de libérer. Oui, vas-y, parle avec toi, parle fort pour que tout le monde entende, s'il te plaît. Joseph, suivez ce qui se passe là-bas, les gars. Elle n'est pas la seule. Amen. Le Saint-Esprit va libérer plusieurs d'entre vous. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous dire. Lisez les pommes. Le réponse Matthieu 6, verset 24. Arrache de son cœur pour le Seigneur toutes les poids maintenant. Retire de son cœur maintenant. Soleil, non, que Jésus. Sors, non, que Jésus. Père, tu cœur, non, que Jésus. Père, tu cœur, non, que Jésus. De sa poitrine maintenant. De son cœur, cette silence. Soleil, non, que Jésus. Vomis ça, non, que Jésus. J'attends que l'anxiété sorte d'elle maintenant. Que l'inquiétude sorte d'elle maintenant. Que l'inquiétude solaire, nom de Jésus. Tu vomis l'inquiétude. Tu vomis l'inquiétude. Tu vomis l'inquiétude. De semence. À l'inquiétude. Casse, nom de Jésus. Brise ce cœur, nom de Jésus. Casse leur nom de Jésus. Brise ce cœur, nom de Jésus. Que ton feu maintenant remplisse cette semence. Que ton feu inonde cette semence. Et cette semence remonte, nom de Jésus. Remonte, nom de Jésus.
Je choisis le fait du grand panache. Baisse, non touché. Baisse, non touché. Baisse, non touché. Baisse, non touché. Je te lis maintenant son cœur. Je te lis maintenant son cœur. Je te lis maintenant son cœur. Éternel, tu attaches à son cœur maintenant. Ta chair et ton sang. Je suis adossé à la croix de vos frères. Et maintenant, Seigneur, tu prises ta chair maintenant. Tu casses les chaînes maintenant. Toutes les chaînes qui ont trait avec qui lit son âme. Toutes les chaînes qui ont trait avec qui lit son cœur. Son cœur est libéré. 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 Toute sa semence maintenant. Restez. Tout ce qui veut déposer dans ce cœur est arraché. Est arraché. Est arraché. Est arraché. Est arraché. C'est moi. Maintenant. Tu manques à manger. Maintenant, c'est. Tu es souffrant. Tu as un coup de tu n'as pas les gens t'ont rejeté. Comme une vraie racine. De tous les noms, on se vante de toi. Allez, c'est le monstre. Que tout soit retiré. Décharge son cœur, Seigneur. Maintenant, décharge son cœur. Décharge son cœur. Décharge son cœur. Maintenant, en se repos de toi. Dans la tristesse, Seigneur, maintenant. Seigneur, de quoi te tiens-tu? Je commande aux autres Jésus. De quoi te tiens-tu? De tous les deux. Que les liens maintenant soient brisés. De quoi? Que les liens maintenant soient brisés. Que les liens maintenant soient brisés. Que les liens maintenant soient brisés. Brisez ce qui t'intrigue. N'est-ce pas Jésus qui calme la tempête? N'est-ce pas Jésus qui a fait traverser Israël dans le désert? Et plus tard, 40 ans plus tard, dans le désert, la raison, dans le couvert, le miel, s'il a fait traverser, Christ n'est-il pas capable de changer ta situation? Christ, Elohim, Adonai, n'est-il pas capable de changer ta destinée? Oui, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, tu étais rejeté. Peut-être aujourd'hui, tu étais abandonné. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, on se rit de toi. Les gens ne se sont-ils pas moqués de Joseph? Joseph n'a-t-il pas été vendu par ses frères? N'a-t-il pas été vendu dans les Arabes? N'a-t-il pas été jeté en prison? Mais quelle a été la fin de Joseph? Quelle était par la suite le sort de Joseph? Or ici, il y a plus que les Joseph. Or en ce lieu, il y a plus que les Joseph. Si l'Éternel a pensé à Joseph dans la prison, l'a fait sortir de la prison et l'a fait asseoir à la table des rois par l'établissement, premier ministre de Ramsès, il est capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire pour toi. Oh oui, les gens se moquent de toi. Oui, les gens se rient de toi. Oui, les gens te traitent de tous les noms. Oui, les gens te traitent. Qui est-ce que tu veux?
Le prince s'abat. Comment est-ce que tu as eu accès à cet enfant? Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ta fin. Allez, directe, tu as mal les choses. Le prince s'abat sur toi. 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 Allez, redis, tu as mal les choses. Qui es-tu dans la vie de cet enfant? Qui es-tu dans la vie de cet enfant? Comment est-ce que tu as eu accès à elle? Prends le nom de Jésus. Comment est-ce que tu as eu à elle? Prends le nom de Jésus. Le prince s'abat sur toi. Il n'y a pas de repos. Tel l'Éternel envoie le déluge. Tu tombes de Noé. L'Éternel envoie le déluge du sang. Tu bois le sang de Jésus. 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 Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Cette pierre qui tombe dans ce cœur, il est brisé au nom de Jésus. Il est pris 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 au nom de Jésus. Je saisis le peuple de l'âge. Je transperce ton cœur. Allez, retire ton manteau que tu as donné. Je n'avais pas. Sors les vêtements. Allez, sors les vêtements. Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ta fin. Elle n'est plus à toi maintenant. Le feu s'abat sur toi. 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 Déchire le manteau de l'impudicité. Déchire. Déchire tout ce que tu lui as fait. Déchire tout ce que tu lui as fait. Le feu s'abat sur toi. 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 Allez, retire ta main. Retire, retire, retire. Retire tes alliances. Retire tout ce que tu lui as fait. Retire tes alliances. Retire tes alliances. Aujourd'hui, c'est ta fin. Comment est-ce que tu as lâché à cet enfant? Tu bois le sang de Jésus. Pas ton feu. Pas ton feu. Pas ton feu. Pas ton feu. Tu bois le sang de Jésus. 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 Allez, tu vomis tout ce que tu l'as donné. Tu vomis tout ce que tu l'as donné. Tu libères ton cœur. Tu libères ton cœur. Sors de son corps. Sors maintenant. Sors de là. Sors de son corps. Sors de son corps. Sors de son corps. Tu bois le sang. 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 Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ça te bois le sang. Tu 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 bois le sang. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ça te tourmente. N'a pas été fêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revient ainsi, l'herbe des champs, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, il existe aujourd'hui, et qui demain, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, sera jeté au feu. Ne vous vêtira-t-il pas? Christ n'est-il pas capable de vous vêtir? À plus forte raison, à plus forte raison, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses. Toutes ces choses. Votre Père céleste. Votre Père céleste. Saint. Que vous en avez besoin. Que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Regarde ce que le Seigneur te dit. Cherchez premièrement. Le royaume. Le royaume. Justice avec Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Vous seront données. Vous seront données. Par-dessus. Par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas. Du lendemain. Oh, ne vous inquiétez pas pour la nourriture.
pour le mariage. Ne vous inquiétez pas pour le visa. Ne vous inquiétez pas pour le déménagement. Ne vous inquiétez pas pour les diffamations, pour la méchanceté. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Inquiétez-vous de quoi? Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Inquiétez-vous pour votre chemin. Inquiétez-vous pour les choses de Dieu. Inquiétez-vous pour l'évangélisation. Inquiétez-vous de servir en esprit en vérité. Inquiétez-vous d'être de vrais adorateurs. Car nous savons que Christ se cherche de vrais adorateurs. N'est-il pas écrit selon sa parole? En Jean 4, verset 23-24, que le moment vient, que le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là, les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Bien-aimé, inquiète-toi des choses du ciel. Inquiète-toi des choses du ciel. Inquiète-toi pour ton salut. Inquiète-toi pour l'œuvre de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit s'occuper des choses de la terre. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de ton déménagement. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de ta nourriture. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de ta subsistance. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de tout ce qui est terrestre. Et toi, veille. À garder le bon dépôt. Veille à t'inquiéter des choses qui concernent Christ. David pouvait dire, le roi David pouvait dire, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Et je n'ai jamais vu le juste demander de son père. Alléluia. Tiens-toi le goût. Nous allons faire cette prière. Matthieu 11, verset 28. Délis son cœur. Délis son cœur. Matthieu 11, verset 28 à 29. Alléluia. Tu vas garder les yeux fermés. Je veux que tu restes concentré. Toi qui es anxieux. Toi qui es venu en ce lieu avec des inquiétudes. Toi qui traverses des moments difficiles. Toi qui étais rejeté, humilié. Toi dont on s'est moqué de toi. Toi dont on a traité de tous les noms à cause de Christ. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux. Car je suis doux. Et humble de cœur. Et humble de cœur. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Amen. Tu m'as déclaré après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu en ce lieu, chargé. Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu te rencontrer, mais je suis chargé, chargé d'inquiétude, chargé d'anxiété, chargé de peur, chargé d'amertume, mais je sais une chose, tu es capable de me décharger, car ta parole me le promet. Car ta parole me le promet. C'est pourquoi ce soir, je te prie de me visiter et de me décharger de tout fardeau. Je te prie ce soir de me visiter et de me décharger de tout fardeau. Fardeau de l'inquiétude. Fardeau de l'anxiété. Fardeau de la maladie. Fardeau de l'oppression. Fardeau du rejet. Pardon du rejet. Pardon des fausses accusations. Pardon des fausses accusations. Pardon de la dépression. Pardon de la dépression. Pardon des maladies incurables. Pardon des maladies incurables. Pardon du mensonge. Pardon du mensonge. Pardon de l'impudicité. Pardon de l'impudicité. Pardon de la peur du lendemain. Seigneur Jésus. Décharge-moi. Décharge-moi de tous ces fardeaux. Saint-Esprit de Dieu. Décharge-moi de tous ces fardeaux. Visite-moi ce soir. Et décharge-moi de tout ce fardeau. Seigneur Jésus. Visite ton serviteur. Visite ta servante. Visite ton serviteur. Et décharge-moi de la maladie. Décharge-moi de l'envoûtement. Décharge-moi de
Déchargement. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Déchargement. Déchargement. Une forme d'inquiétude. Une forme d'inquiétude. Déchargement. Déchargement. De l'anxiété. De l'anxiété. Déchargement. Déchargement. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Déchargement. Déchargement. Du rejet. Du rejet. Déchargement. Déchargement. De l'impudicité. De l'impudicité. Déchargement. Déchargement. Du mensonge. Déchargement. 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 Seigneur Jésus, je suis rempli d'inquiétude. Je suis rempli de peur. Je ne sais où donner de la tête. Mais je sais qu'en toi, j'ai du repos. Père éternel, je sais qu'en toi, j'ai de la quiétude. Je sais qu'en toi, j'ai de la fermeté. Je sais qu'en toi, Père éternel, j'ai de l'assurance. Ça pourquoi ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, entends ma voix, entends ma voix, entends ma voix, entends ma voix, et décharge-moi. Je veux que tu le fasses avec assurance. Je veux que tu le fasses avec conviction. Seigneur Jésus, entends la voix de ton serviteur. Seigneur Jésus, entends la voix de ta servante. Seigneur Jésus, entends la voix de ton serviteur. Entends la voix de ta servante. Déchargement de toute maladie. Déchargement de toute maladie. Déchargement de toute maladie. Déchargement de toute forme d'inquiétude. Déchargement de toute forme d'inquiétude. Déchargement de toute forme d'inquiétude. Seigneur Jésus, décharge-moi. Retire de moi ce lourd fardeau, l'inquiétude, l'anxiété, la peur, la maladie, l'impudicité, la colère, la dépression, la folie, l'envoûtement, l'enchantement, la paresse, la peur du lendemain, les inquiétudes. Décharge-moi, 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 décharge-moi de l'oppression, des maladies incurables, décharge-moi des douleurs, décharge-moi du rejet, décharge-moi de fausses accusations, décharge-moi de l'inquiétude du lendemain, au nom de Jésus. Tu vas garder le silence, l'Esprit de Dieu va descendre. Il va commencer à travailler sur la vie de ceux-là qui sont victimes d'anxiété, qui sont victimes d'inquiétude, qui sont victimes de peur, qui sont victimes de toute forme d'inquiétude. Selon 1 Pierre 5, verset 7, et selon Matthieu 6, verset 25 à 34. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, Seigneur, moi je ne les connais pas, mais Père Céleste, toi tu les connais, ceux-là qui sont chargés, ceux-là qui ont encore des fardeaux, ceux-là qui portent les fardeaux de l'inquiétude, ceux-là qui portent les fardeaux de l'anxiété, ceux-là qui portent les fardeaux de la maladie, ceux-là qui portent les fardeaux de la dépression, ceux-là qui portent les fardeaux de l'oppression, ceux-là qui portent les fardeaux, Père éternel, de la folie, ceux-là qui portent les fardeaux encore du péché sur eux, ceux-là qui portent les fardeaux de l'anxiété, de la peur du lendemain, Saint-Esprit de Dieu, de là où ils sont, je te prie de les visiter, de les décharger. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de les visiter et de les décharger. Selon Matthieu 11, versets 28 à 29, Seigneur, commence par les visiter. Seigneur, commence par les décharger de là où ils sont, par ta puissance. Visite tes enfants et décharge-les. Décharge chaque brebis qui est encore un lourd fardeau d'anxiété, d'inquiétude, de peur, de doute, de maladie, d'oppression, de dépression. Seigneur, commence par les visiter. Saint-Esprit de Dieu, commence par les visiter. Toi, tu es concerné. Tu vas voir la main de Dieu descendre sur toi. Toi qui es concerné, je te le dis en vérité, en vérité. La main forte et puissante de l'Éternel commence par descendre sur toi et par te décharger de toute forme de pression. Je décharge maintenant. Je décharge maintenant. De là où tu es. Je décharge maintenant. Il te décharge. Du fardeau de la maladie. Du fardeau des fausses accusations. Du fardeau de la dépression. Du fardeau des oppressions. Du fardeau du rejet. Du fardeau des fausses accusations. Du fardeau des railleries. Du fardeau des moqueries. Du fardeau de la maladie. Je te visite. Je te visite ce soir. Je décharge ce fardeau. Ce soir même, ce soir même, ce soir même,
ce soir même, ce soir même, regarde ce que le Seigneur fait. Il te décharge de cette maladie. Il te décharge de cette maladie. Regarde, il la retire de toi. Il la retire de toi. Le Seigneur te décharge de cette maladie. Je mets quelqu'un dans son dos. L'Esprit de Dieu te visite. Il te décharge de cette maladie. Par sa puissance. Par son autorité. Par sa puissance. Par son autorité. Il te décharge de cette maladie. Il te décharge de cette maladie. Il te décharge de l'envoûtement. Il te décharge de l'envoûtement. Il est dit dans la parole de Dieu. Selon le livre de Philippiens 2, verset 10 à 11. Car la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux. Par la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Par la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les profondeurs de la terre. Et ce soir même, le Seigneur déclare qu'il te décharge. Il te décharge. Il te décharge de la maladie, des sortilèges, de l'envoûtement, de l'œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te décharge. Il te décharge. Regarde, il retire de toi le mal. Il retire de toi les flèches. Il retire de toi les sortilèges. Il retire de toi l'envoûtement, l'enchantement, l'œuvre de la sorcellerie n'a plus de puissance au nom de Jésus. L'œuvre de la sorcellerie n'a plus de puissance, n'a plus d'autorité sur toi au nom de Jésus. Ta crise est descendue en ce lieu afin de te décharger au nom de Jésus. Bien-aimé, reste disposé. Le Seigneur te visite. Reste disposé. Le Saint-Esprit te visite. Regarde. Le décharge. La rétire de toi la maladie. La douleur. Depuis la frontanée jusqu'à la porte. Il te visite. Depuis l'esprit jusqu'à l'âme, il te visite. Depuis l'âme jusqu'à la chair. Le Saint-Esprit te visite. Regarde, il retire de toi les flèches que l'ennemi a eu à tirer contre toi. Il retire des états des yeux qui faisaient que tu avais des poules au niveau des yeux. Un seul. Regarde, il retire. Il retire le mal que tu avais dans la gorge. Vite, vite, vite. Regarde, l'Esprit de Dieu retire le mal que tu avais dans la gorge. Il commence par sortir de toi. Ce mal-là commence par te lâcher. Ce mal que tu avais dans la gorge, maintenant même, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal-là sort de ta gorge. Il te libère de toutes les maladies, des problèmes lombaires, des problèmes d'yeux, des problèmes de voix et de toutes sortes de maladies que tu avais. Le Saint-Esprit te libère et il te décharge de ces maladies. Par sa main forte et puissante, il te décharge de toutes sortes de maladies, celles que tu avais dans la gorge, celle que tu avais dans les lombaires, celle que tu avais dans les yeux, celle que tu avais dans les organes. Regarde, le Seigneur te décharge de toutes ces maladies. Il te décharge de l'envoûtement, de l'ensorcellement, des sortilèges. L'Éternel s'est levé de son trône de gloire pour toi. Adonai, Yehoshua Mashiach, Elohim, Ephraim, Israël, le médecin par excellence, le Dieu vivant. Regarde, retire de toi. Il retire de toi toutes ces maladies. Il retire de toi les sortilèges. Il te décharge. 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 Il te décharge, il te décharge, il te décharge, il te décharge, au nom de Jésus. Regarde, des maladies sont en train de sortir. C'est comme un sac, c'est comme un sac, c'est comme un sac rempli de démons, rempli de déchets qui sont en train de sortir de toi. Regarde, le Seigneur te décharge, il te décharge de toutes ces maladies. Oui, il me dit de te dire qu'aujourd'hui, c'en est fini. Il s'est levé contre tes adversaires, il s'est levé contre ceux-là qui ont levé le talon contre toi. Oui, le Seigneur te décharge. Une chaise, rapidement. Le Seigneur te décharge. Par sa puissance, il te décharge. Par son autorité, il te décharge. Par sa force, le Seigneur Jésus te décharge. Regarde, le mal est en train de sortir de toi. Il sort de toi. Le mal sort de toi. L'envoûtement qu'ils ont mis dans ta gorge. Cet envoûtement-là sort de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est déchargé. Quelqu'un est visité et déchargé de son lourd fardeau. Quelqu'un est visité et déchargé de son lourd fardeau. Regarde, tout le mal, le Seigneur les retire de toi. Tout le mal, l'Esprit de Dieu les retire de toi. Doublez ça là. Regarde, le Seigneur te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Le Seigneur te décharge de ce lourd fardeau qui pesait dans ta vie depuis trop longtemps. Le Seigneur te décharge de l'esprit de mort. Le Seigneur te décharge de l'esprit de mort. Regarde. Le Seigneur te décharge. Selon Matthieu 11, verset 28 à 29. Le Saint-Esprit te décharge de l'esprit de mort. Regarde, il s'en va. Il s'en va. Le Seigneur le retire de toi. Par sa main forte et puissante, il retire. Regarde, le fardeau de la mort de toi. Il retire le fardeau de la mort de toi. Elle va tomber, faites attention.
L'Esprit de Dieu retire le fardeau de la mort de toi. Regarde, c'est comme des chaînes qui sont en train d'être brisées. C'est comme un vêtement mortueux que l'ennemi t'avait fait porter. Regarde, la main de l'Éternel déchire ce vêtement. La main de l'Éternel déchire ce vêtement. Ce vêtement mortueur, il le déchire. Il retire le fardeau de la mort de toi. Le fardeau des sortilèges de toi. Le fardeau de l'envoûtement de toi. Le fardeau de la cécité de toi. Le fardeau des douleurs de toi. Il le retire de toi. Il te décharge. 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 Quelque chose va sortir de ta gorge. C'est cette flèche que l'ennemi a eu à tirer. Je retire cette flèche de ta gorge. Cette flèche qui fait que tu es en train de perdre la voix de façon progressive. Nous retirons cette flèche de toi. Et je commande que l'empoisonnement commence par sortir de toi par le vomi. J'ordonne au nom de Jésus que l'empoisonnement sorte de toi par le vomi. L'empoisonnement qui affectait ta gorge à cause de cette flèche que l'ennemi a eu à tirer contre toi. Je commande au nom de Jésus que l'empoisonnement qui affectait ton timbre vocal commence par sortir de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'empoisonnement remonte et sort de toi. Et pendant que l'empoisonnement remonte et sort de toi, je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus restaure ton timbre vocal. Le sang de Jésus restaure ton âme, ton esprit, ton corps. Le sang de Jésus restaure tous les compartiments de ta vie. L'empoisonnement sort de toi. L'envoûtement sort de toi. L'enchantement sort de toi. L'empoisonnement sort de toi. Nom de Jésus, l'empoisonnement sort de toi. Ça remonte. L'empoisonnement remonte et sort de toi. Vomis maintenant, vomis, libère ce corps, libère-la, 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 au nom de Jésus, tu vas déclarer après moi maintenant, je veux que tu restes concentré, tu as les yeux fermés, tu tends les mains en signe de recevoir, tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, médecin par excellence, toi qui étais humilié pour moi, toi qui étais battu pour moi. Toi qui as été battu pour moi. Toi qui étais traité de tous les noms pour moi. Toi qui as été traité de tous les noms. Toi qui étais persécuté pour moi. Toi qui as été persécuté pour moi. Toi qui t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Toi qui t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Toi qui t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Toi qui t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Toi qui t'es fait malheur afin que je sois dans le bonheur. Toi qui t'es fait malheur afin que je sois dans le bonheur. Toi qui as accepté de porter mes péchés. Toi qui as accepté de porter mes péchés. Afin que je sois justifié. Afin que je sois justifié. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Restaure-moi. Restaure-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Restaure-moi. 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 Là où tu as mal, là où tu avais mal, là où tu sens le mal, là où tu sens la chose, mets la main simplement là. Et déclare après moi. Saint-Esprit de Dieu. Restaure-moi. 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 Par ton sang versé à la croix. Par ton sang versé à la croix. Par ton sang versé à la croix. Restaure ton serviteur. Restaure ton serviteur. Restaure ta servante. Restaure ta servante. Restaure ton serviteur. Restaure ton serviteur. Restaure ta servante. 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 Restaure ta servante. Restaure ma santé. Restaure ma santé. Restaure mon esprit. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure ma chair. Restaure ma chair. Restaure mon esprit. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure ma chair. Restaure ma chair. Restaure mes dons. Restaure mes dons. Restaure mes talents. Restaure mes talents. Restaure mes biens. Restaure mes biens. Restaure mon esprit. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure ma chair. Restaure ma chair. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Restaure-moi. 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 Restaure-moi.
au nom de Jésus. Reste dans ce calme platonique. Reste dans ce calme platonique. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu commence par te visiter, par te restaurer. Toi dont l'esprit t'a affecté. Le Saint-Esprit commence par restaurer ton esprit. Toi dont c'était l'âme qui était affectée. Le Saint-Esprit te visite et restaure ton esprit. Restaure ton âme. Toi dont c'était dans la chair. C'était dans la chair qu'il avait ses affections. Le Saint-Esprit te visite et commence par te restaurer. Il 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 commence par te restaurer. Je dis l'Esprit de Dieu, commence par te restaurer. Je dis le Saint-Esprit, commence par te restaurer. Je dis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et de puissance, commence par te restaurer. Il te restaure par sa puissance. Il te restaure par son autorité. Il te restaure par sa force. Il te restaure par son nom. Il te restaure par son sang. Il te restaure par sa puissance. Il te restaure par son autorité. Il te restaure par son nom puissant qu'est Jésus. Il te restaure. Il te restaure. Il restaure tous les domaines de ta vie. Ton foyer, ta maternité, les finances de ton mari, ton travail, ton appel, tes activités socio-professionnelles, ton don et tes talents. L'Esprit de Dieu les restaure. L'Esprit de Dieu les restaure. Quelqu'un est visité puissamment par le Saint-Esprit. Je dis quelqu'un est visité puissamment par le Saint-Esprit. Et toi aussi, l'Esprit de Dieu te restaure. Il te touche et il te restaure. De là où tu es, l'Esprit de Dieu te visite. Il te touche, il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il restaure tes dons. Il restaure tes talents. Toi aussi qui me suis, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit te visite puissamment. Il te restaure. 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 Il restaure chaque domaine de ta vie. Il restaure tes finances, ton foyer. Il restaure les études de tes enfants. Il restaure ta carrière, ton appel, ton ministère. Il restaure tes dons et tes talents. Nom de Jésus. Je dis que l'Esprit de Dieu te restaure. Le feu de l'éternel te restaure. Feu! Je dis que je visite puissamment. Je dis puissamment. 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 Il retire de toi toutes ces choses. Il te visite puissamment. Puissamment. Je dis puissamment. Puissamment. L'Esprit de Dieu te restaure. Puissamment. Il restaure ta tête, ton cerveau. Il restaure tous les compartiments de ta vie. À commencer par ta tête jusqu'à la fin de tes pieds. Le Saint-Esprit te visite. Il te restaure puissant. Regarde quelque chose. Il restaure ton cœur maintenant. Quelque chose se passe. Il restaure ton cœur maintenant. Tu peux poser les mains, je déclare au nom de Jésus. Il restaure ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit te visite puissant. Il te restaure au nom de Jésus. Totalement et entièrement. Il te restaure au nom de Jésus. Entièrement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te visite puissamment, 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 puissamment. C'est l'heure de ta restauration. Elle est totale et définitive. Elle est totale et définitive. Elle est totale et définitive. Elle est totale et définitive, me dit le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui même, il relâche l'heure de la restauration dans ta vie et dans tous les compartiments de ta vie. Il restaure tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit restaure tous les domaines de ta vie. Le Seigneur Jésus restaure tous les domaines de ta vie. Il restaure tous les domaines de ta vie. Il me dit c'est l'heure de ta restauration. Il me dit c'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure où l'Esprit de Dieu, l'Esprit fort et puissant, notre vaillant héros te visite et restaure totalement l'Esprit, l'âme et le corps de sa chair. Il restaure tous les domaines de ta vie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de ta visitation. Le Seigneur me dit, c'est l'heure de ta visitation. Il me dit, c'est l'heure de ta visitation. Regarde quelque chose se passe. C'est l'heure de ta restauration. Il te visite. Il te visite. Regarde, il te touche, il te restaure. Il restaure cette partie de toi qui avait été affectée. Il restaure cette partie de toi qui avait été affectée. Regarde, c'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure. C'est l'heure de ta restauration. C'est lui qui a guéri cette femme qui saignait pendant 12 ans et qui avait touché le pan de sa robe. Et aujourd'hui, même par sa puissance, ce pan de sa robe, par ses mains que j'ai mis sur toi, c'est ce pan de sa robe qui te guérit, qui te visite, qui te restaure de toute forme d'inquiétude, de toute forme d'anxiété,
Esprit, l'Esprit de Dieu te restaure par sa puissance, par sa puissance, par son autorité, par sa puissance, par sa puissance, par sa force, par son autorité, par sa force. Il te visite, il te visite. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est Jésus mon grand Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, c'est Jésus mon défenseur. Thank you.
acclamer. Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ta parole déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Tu as dit encore que dans le psaume 37, au verset 25, que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Tu as dit encore, dans Matthieu 16, verset 19, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Contre moi, Seigneur Jésus, je viens te dire merci. Toi le témoin fidèle, toi celui qui est véritable, toi qui n'abandonne pas, toi qui es vivant, toi qui enlève à moi le souci de la vie, toi qui enlève à moi l'inquiétude du lendemain. Seigneur Jésus, merci encore d'avoir eu compassion de moi. Au nom de Jésus, garde le silence. Père, ta parole déclare que l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh oui, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Oh oui, à cause de son nom. Amen. Oh oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Alléluia. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh oui, tu dresses devant moi une table. Alléluia. En face de mes adversaires. Amen. Tu onduilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, la bénédiction. Oui, la quiétude. Oui, la paix intérieure. Oh oui, ta présence. Oh oui, ta sainteté. Oh oui, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu seras avec moi tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.